Hello tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine d'ouverture de calendrier de l'Avent. Et vous allez voir à ma tête, et pour celles qui ont suivi le savent, je suis malade, j'ai la grippe, mais il fallait vraiment que j'ouvre les calendriers de l'Avent, le calendrier de l'Avent d'Hélène parce que voilà, j'ai commencé, je finis, mais je suis pas en très grande forme. Alors je viens d'appliquer un rouge à lèvres à l'arrache totale. Voilà. C'est vraiment parce que j'étais toute blanche, donc mais je sais pas si la couleur est pas très flatteuse. Enfin bon, on s'en fiche. En fait, ce qui va se passer, c'est que comme là, on est dimanche, on est le 24, j'ai pas ouvert de toute la semaine. J'ai été malade, mais d'une force, voilà, merci la grippe. Du coup je vais tout ouvrir aujourd'hui, je suis désolée Hélène, mais de toute façon t'as été prévenue, donc voilà. Mais bon. J'ouvre tout aujourd'hui. J'en ai 7 à ouvrir aujourd'hui. Bon, voilà. On a décidé de faire un 25 parce que on voulait se faire un gros cadeau. Donc voilà. Sachant que normalement un calendrier de l'Avent, vous avez que 24 cases. Mais nous, on en a 25. Alors, j'ai le même et il est sympa. Donc ça, c'est le 19. Hop. Ça sent le Kiko, ça. Bah, j'aurais dû l'ouvrir avant. Ah non, Adopt, rouge à lèvres liquide mat, le rosewood. Alors moi c'est totalement les couleurs que j'aime, bois de rose comme ça. Alors attends, comment c'est fichu? Je crois que je viens de démonter un truc. Bon. Comment on l'ouvre? Je sais pas comment on l'ouvre. Comment on l'ouvre? Je sais pas du tout comment on l'ouvre. Ah, faut dévisser. Ah, très jolie la couleur. Je connaissais. Ah, ça fait un peu poudre. La couleur est magnifique, j'aime beaucoup. Donc ça fait un peu velours. Ça me fait penser un peu aux textures des bourgeois, les velours mat. Voilà, je pense pas que ça sèche. Je pense que c'est plutôt voilà vraiment le mat, mais par la texture quoi. Voilà, pas parce que c'est liquide et que ça sèche, mais j'aime beaucoup la couleur. Donc je testerai Hélène, merci beaucoup. Ensuite le 20. Alors je suis à moitié sourde, en plus je n'entends rien de ce que je dis, j'ai l'impression de parler super doucement, mais en fait pas du tout. Un petit peu d'amour et de matité, le 20. D'amour et de matité. C'est pas... c'est trop mignon. Alors Kiko, le Candy Split Lip Mattifier. Alors ça c'est quoi? C'est pour matifier les rouges à lèvres? Je connais pas du tout. C'est un top coat pour mettre par dessus les rouges à lèvres pour les matifier. Et ben je ne connais pas du tout. Et je vais tester parce que ben tu me connais bien. J'adore tout ce qui est mat. Et là j'ai un porte-clés. Je pense que c'est un porte-clés comme ça, avec des strass, avec un cœur. Il est super mignon, j'aime beaucoup beaucoup, c'est trop joli. Donc c'est soit accroché au sac je suppose, soit mettre en porte-clés. Donc moi je le mettrai en porte-clés parce que j'aime beaucoup, en plus ces couleurs sont très jolies. Ouais, merci, c'est trop mignon. Le 21, c'est une jolie peau de jolis cils. Il doit y avoir deux trucs, hein. En fait à la fin t'as fait ta craque et t'es voilà, t'as mis deux trucs en même temps. Ah, génial! Alors, là, ici, j'ai des fossiles. Des fossiles de la marque Blinky Eyelashes. Je ne connais pas du tout. Natural et réutilisable. Nickel. Mais moi, j'adore quand c'est naturel. Et un Bubble Shark masque moussant au charbon, détoxifiant et exfoliant. De la marque Pellisage. Bah, je connais pas du tout et je testerai parce que j'adore les masques. Ensuite, j'ai mal au crâne, vous pouvez pas vous imaginer. K, ça te parle. Kiss, comme Kiss Makeup. Kiss, K, ça te parle. J'adore. Kiko. Kiko. Alors Kiko, Matte Liquid Lip Color. Alors je crois que j'en ai déjà eu, mais est-ce que j'ai eu celui-là? Ah, oh, je l'avais déjà celui-là.
crotte. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà et en plus je les aime pas trop. Pour être totalement honnête avec toi, tu sais très bien que je suis honnête. Et ouais, ceux-là je les trouve bofi bof. Mais ouais. Dans ces cas-là, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un concours et je vous le rajouterai dedans. Mais merci Hélène, c'est très gentil. Hein. Tu sais que j'adore les liquid mat, mais alors ceux-là je les aime pas du tout. Enfin, je les aime pas trop. Alors ensuite, un décolleté de rêve. Waouh. Ça va être, c'est le numéro 23. Alors c'est Push Up Your Beauty, donc étame sublimateur de décolleté, sublimizer de décolleté. Ah, ça doit être une poudre ouais, en fait c'est une poudre un peu irisée. Ouais, c'est très joli. En fait, c'est un peu comme un enluminateur, mais pour le décolleté, vous avez un petit sorte de beauty blender pour comme ça. Et ouais, c'est très original et la présentation est très jolie. Voilà, ça se présente comme ceci. Je connaissais pas du tout. C'est très mignon. Et ouais, pour les fêtes, j'aime bien moi. À voir si je porte un décolleté ou mettre un petit peu de lumière au niveau de la peau, je trouve ça très joli. Alors, tu adores en faire. Bon réveillon. Tu adores en faire des masques. Des masques. Je pense que c'est ça. Ben voilà. Alors j'ai un masque peel-off de chez Action aux agrumes, donc au pamplemousse. Et un masque peel-off, je crois qu'on trouve ça chez Action aussi, au concombre. Masque appelé désincrustant. Cool, j'adore, je vais pouvoir me faire une jolie peau pour Noël. Et du coup j'ouvre le 25 ma belle, parce que je pourrais pas tourner après. Joyeux Noël, j'ai craqué, c'est connu, juste superbe. Bisous, j'ai hâte de voir. Elle m'a dit qu'elle avait craqué, que c'était une nouveauté, donc j'ai vraiment hâte de voir. C'est un gros paquet comme ceci, tout mignon. Qu'est-ce qu'elle m'a pris, elle est folle. Très bien emballée, c'est très joli. Voilà. Alors, on va ouvrir le petit paquet carré qu'il y a dessus d'abord. Je suis vraiment désolée de faire cette vidéo dans ces conditions-là, mais c'est vrai que c'est... voilà, je pouvais pas faire... Oh, du Huda. Mauve Obsession. Oh, mon Dieu. Ah, elle est trop belle. Oh, mon Dieu, c'est magnifique. Ah, mais c'est totalement mes couleurs en plus. Mais moi ce soir c'est obligé de la mettre celle-là. Elle est magnifique. Alors là celle-là je l'emmène à Brest avec moi, parce que ça va être hyper pratique. En plus il y a le petit miroir avec. Je l'adore, elle est trop belle. Oh, aimantée et tout. Elle est magnifique. Alors là ma belle, franchement tu pouvais pas faire mieux. Et là qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est? Magnifique, sublime. C'est un petit coffret comme ça, avec un crayon pour les lèvres Huda Beauty, un liquid matte Huda Beauty. Alors je vais vous dire lequel c'est. C'est le Muse. Et vous avez un lip strop. Donc c'est un liquide, mais métallisé. C'est un gloss en fait. Oh la vache, magnifique, superbe. Merci beaucoup ma belle. Oh, c'est superbe et c'est totalement ce que j'aime en plus. Mais vraiment la présentation, regardez-moi comme c'est beau, sublime, j'adore. Oh là là, merci. Bah écoute, de toute façon voilà, c'était obligé. C'était obligé que j'adore parce qu'on se connaît, on se suit mutuellement, tu connais mes goûts, etc. Et franchement, magnifique. J'ai hâte que tu découvres toi tes cadeaux. Je te souhaite des joyeuses fêtes également. J'espère que bon, quand la vidéo sera postée, tu auras fêté ton réveillon de Noël et ton Noël. J'espère que tout sera bien passé pour toi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année parce que ben, la nouvelle année va arriver. Donc forcément, je vais te souhaiter plein de belles choses pour cette nouvelle année. Franchement,
J'ai été ravie de faire ça avec toi. C'était, voilà, super. Super, super. J'espère que tout ce que je t'ai envoyé t'a plu également. Je te fais d'énormes bisous. Je vous fais d'énormes bisous pour cette nouvelle année parce que je ne sais pas si j'aurai beaucoup de vidéos à vous poster cette semaine, sachant que bon, je suis un petit peu à Brest déjà, un petit peu malade. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps, le courage, l'énergie pour vous faire ça, mais en tout cas voilà, je suis ravie d'avoir fait tout ça avec Hélène et je suis ravie d'avoir passé cette année avec vous. Ça a été riche en émotions et riche en plein de choses. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de joyeuses fêtes, prenez soin de vos proches, profitez d'eux et voilà, d'énormes bisous, je vous adore, bye bye.